Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça se passe très bien dans ta vie. Tu sais, je vais te dire une chose, il y a toujours des occasions d'être triste. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans la vie et ce n'est pas des occasions qui manquent pour être triste. Mais ce que je voudrais te dire par cette vidéo, c'est que ne sois jamais triste. Trouve toujours une raison pour être heureux. Parce que lorsque tu es triste, ça hypothèque les projets sur lesquels tu es. Et ça produit une autre tristesse future. Parce que lorsque tu vas rater les projets sur lesquels tu es aujourd'hui, parce que tu étais triste aujourd'hui, dans le futur, tu seras encore triste parce que tu les as ratés. Et ça va s'enchaîner. Et parfois, c'est difficile de sortir de l'engrenage. Trouve toujours une raison d'être heureux. Souris même face à la difficulté, même face à la douleur, trouve le moyen de sourire. Essaye toujours de montrer que tu peux prendre les choses du bon côté. Et lorsque tu apprendras à prendre les choses du bon côté, tu vas réellement et très souvent te retrouver du bon côté de la tarte. Lorsque tu es triste, trouve quelque chose, trouve une raison d'être heureux, d'être souriant au fond de ta tristesse. C'est un gros secret et si tu l'appliques, tu vas te rendre compte que tu quitteras des échecs vers des succès et ces succès deviendront certainement définitifs dans ta vie. Beaucoup de gens sont tristes et ils ont raison. Mais attention, on ne produit pas, on ne gagne pas dans la tristesse. Le succès se passe toujours lorsqu'on est le plus épanoui possible. Si tu es dans un travail que tu n'aimes pas, trouve le moyen de quitter ce travail. Ou alors, trouve des choses positives dans ton travail qui vont te pousser à aimer ce travail. Parce que tout part de l'amour. Lorsqu'on aime, on peut produire des miracles. Tout part de l'amour. Lorsqu'on n'aime pas, on produit un résultat qu'on n'aime pas, puisque déjà dès le départ, on n'aime pas. Il faut aimer sa vie. Quel que soit ce qu'on rencontre comme difficulté, il faut aimer sa vie. Aimez-vous d'abord. Tombe amoureux de toi aujourd'hui. Tombe amoureux de toi-même aujourd'hui. Une fois que tu seras amoureux de toi, alors tu pourras repeindre l'amour autour de toi et le succès. Ça vient des choses qu'on aime d'abord. Tout part de l'amour. Si tu penses que quelqu'un a besoin de ce message, partage cette vidéo et peut-être ça lui fera du bien. Sur ce, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à très bientôt.